the people that are here who's never been in a sweat lodge might have to just be part of the sweat lodge, and they can observe. And then probably Sunday we can talk to them about, you know, questions from them, because most of the questions is in this paper. Mm-hmm. You know, and most of the things you want to know, I think participation is better than sometimes talking. Sometimes it's better to participate than attending the sweat lodge, or going in there and having a sweat lodge is better than sitting up here and talking, you know. And yes, because it's all written here the first time. Mm-hmm. But tonight I want to talk about, and all day tomorrow, about negative. Everything negative. Negative, bad, negative force, the black road. To the Indian, there is a black road. And, the one wall. Where is that staff? Oui. Alors, il dit aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont jamais été dans la Sweat Lodge. Demain, ils entreront et ils observeront. Hein, et vivront les choses. Dimanche, il parlera largement de la Sweat Lodge et répondra aux questions que vous aurez à poser. Et il dit que participer aux choses est mieux que blablater. Hein. Entrer dans la Sweat Lodge est mieux que rester ici et en parler. Beaucoup des questions que vous pouvez vous poser se trouvent sur le papier, sur le petit fascicule que vous avez eu là. Bon, il est elliptique le fascicule, hein, faut essayer de comprendre. Hein, une structure du monde, hein, toute une cosmogonie dans les images, hein, il faut pas les regarder. Ce soir, il parle, et demain tout le temps qu'il parlera, il parlera surtout de ce qu'il appelle le négatif, les forces négatives. Les forces négatives pour les Indiens, c'est la voie noire. A human being is born this way. Is you are this here, this in the center. This is the negative road and the positive road. One red road and a black road. The red road is always the good road. The black road is always the negative road. But some days in the morning you get up, you wake up like this. You get up backwards. Sometimes it's the positive of your side, you know, the positive. You are negative and positive. But today you wake up from bed, this side, which was supposed to be negative, is positive, and this side is negative. So it went backwards. So it's the negative can be positive, and the positive can be negative. So it doesn't matter if it's this way or if it's this way. The red road on this side, the black road on this side, the red road on this side or the black road on this side. The good, the bad, the good. They go like this. There's a planet called Uranus. And there's a planet called Uranus where it does the same thing also. It flips over, it goes like this, and it travels like this. It goes around in a circle, but at the same time it goes like this. So the human becomes this way also. He becomes twisted in his ways, his negative. Most people do not know about negative and positive.
Christian religion teaches you that negative is sin, because they don't know. They say it's a sin. It's a sin to do something wrong. It's negative. And it's also a sin that you cannot be forgiven. But each person born in this world is either negative and positive. There is one person not born all positive. Jesus Christ was negative and positive. And so was all the prophets. They're all negative and positive. We are all that way, negative and positive. We are good and bad. But some days, like the man in prison, one day he is good, next day he's bad. And the same way with the Pope. He's good, he's bad. You know. So in this life that we walk, it goes in the spiraling direction. It's always negative or positive. But in the spirit world, there is no negative and positive. There is no nothing. There is no positive, there is no negative. Here, in this life, human is involved with negative and positive, because somebody has taught you. You have learned that rather than praying yourself, you let somebody else do your praying for you. You let a priest, a lama, or a Buddha or whatever, you allow them to do the praying. You don't want to pray no more. You become very lazy, you know. Lazy is, you know, you don't want to do nothing, you know. That's lazy. You don't want to do nothing. You don't want to pray anymore. You want to let somebody else do it, you know. I'm too busy, you know, I'm too busy visiting the nightclubs in Paris, you know, the guys go, I don't want to pray no more, you know, this man over there, he does the praying, you know, and, you know, so we learn, we don't want to pray, but you, as a human, must learn how to pray. You can pray inside of Moulin Rouge, you know, and Lido and all this, yes. You can sit there and drink a beer and pray, you know. You can sit down to, you can go in Pig Alley, you can go down there and still have a vision, you know, not from girls, I mean from from the spiritual point, you know. You can have a vision outside or inside. You can sit on the toilet and pray, you know. There's no place. You can take a shower and pray. But most people must think that they have to be inside of a church. You don't know who made this church. You don't know what feelings this person has. When we make a sweat lodge, we try to teach you. It is not being built now, because it's already standing. But the people who made this sweat lodge, they prayed. They meditated. They prayed in their own way, and they build a sweat lodge. So the house, the sweat lodge, is a place of prayer. It's a place where everybody put their feelings inside. Positive feelings. Where this house, you don't know how it was built. This man might have been very angry who built this house. Maybe he hit his thumb, you know, and he didn't like it, you know. And he wants to finish in a hurry, so there is negative force put in the house.
So the house that you build must be of positive prayer. If you feel yourself getting negative, leave it alone. Go away for a while. A couple hours, come back, start again, you feel good. So every piece you put in is a place of prayer. Therefore, if you walk in the church, you do not know what you are getting in. It might be all negative, negative force. The unseen force that turns a good man to be a bad man. It's there. So it is something that you don't understand. It's negative. And it takes you 2 days to talk about negative and positive. It's not just good and bad. No. And the priest will tell you, negative is sin. You know, what is a sin? And the priest will say, your soul. What is your soul? You know, what is it? What is soul? And priests say this. You have a black soul. You know, you have. They always say these things, you know, to make you very negative. So now I will pray for you, so your soul will be clean. And you believe. You believe it. Do you really think, as a human being, an intelligent human being, that another man can save you? Another human being can guide your way to see the Creator? You call him God, or whatever you want to call him. No, you cannot do that. It's impossible. Even a medicine man, even a Dalai Lama, anybody. We cannot, hold your hand and, take you to heaven and say, hey, St. Peter, here he is, nice guy, let him in, It's bullshit. St. Peter's not there. St. Peter is a vision, it's fantasy, it's Mickey Mouse. The spirit world. There is nobody sitting there checking your tattoos or your rings or how many teeth you have. You live here. You be a good person. The medicine man looks at all of you as holy people. You're holy people. I don't care what you think of yourself. You're a holy people, and we look at you this way. Therefore, you learn how to pray. And you learn how to pray to the Creator, not to me or anybody else, to the Creator. So you have a connection to the Creator together. And this way, you learn how to laugh. You have a find a way to the Creator, When you find a way, you learn to laugh, not just to be funny, but to laugh at yourself. You learn to laugh at yourself. That is the whole thing, to laugh at yourself. You make a mistake, laugh, If you do something wrong, learn to laugh about it, Be happy, because this life is, you're gone. You come, you're gone. It's that fast. You blink your eye, you're gone. To the spirit world. This life is very short. When you get older, you're going to find these out. He said, life is so short. Oh, God. I said, I was talking to a friend. And he said, do you remember when that time we went to Berlin? I said, God, that's 37 years ago, 37 years, It seemed like yesterday. As the older you get, the time comes fast, Then you get nervous, You want to go to heaven right away, everybody. You see these doctors today. When the doctor is young, he experiments on human beings, He does everything, break the leg, he cut him open, put a steel rod inside, and close him up.
You know, and things like this. But when he becomes 40, 45 years old, then this modern doctor says, you know, I wonder if there is a God. I wonder how much it's going to cost to get there, to get to the spirit world. He starts to worry now. I'm worried. So where am I going to go when I die? Am I going to go to heaven? Am I going to go to hell? Am I going to go to purgatory? You know, all that is bullshit. You know? None of it is true. There's no hell, there's no heaven in the mind. It's all right here. It's put in there by the Bible. You read a Bible, you know, and Jesus said there was heaven and there was hell. You know, he didn't say no such thing. Jesus did not teach about heaven, he teach about hell. Jesus Christ taught about negative, he talked about positive. To be yourself. Be positive. In a spiritual manner, you become positive. And then you find your way. One day you will... I will see you in the spirit world. And I will tell you, I told you so. Well, I didn't know. Nobody told me. No. Negative and positive. Good and bad. I have to learn about this, you know, and think about it very hard. Because you are indoctrinated now. 2,000 years. 2,000 years you have... They took one side and nothing that side. All the education is over here on one side. It's like a horse. You're like a horse. But you have to be like, you can't be like a horse. You know, a horse's brain is like this. This is the brain of a horse. There's two sides to the horse. There's two brains to a horse. Now the human mind is the same way. It's two sides like this. So if you train a horse on this side, everything on this side, on the right side, you cannot do anything on the left side. Therefore, you must teach this side and this side. The right and the left. You have to teach both sides of the horse. He has his eyes here, one eye here. They're different. Human is the same way. They take this side and you use this side only. One side of your brain is used for education. You are educated. You are brainwashed. You know, and next thing you know, you become like a... In 1850, when the white man, the cavalry, the U.S. Army first came with the Indian, against the Indian, he noticed that the white man got on his horse on one side, always on the left side. He got on his horse. He put his feet in and he got through his right. You know? So the Indian said, this man does know too much. You know? So I'm going to teach my horse to get on the other side. You know? Then after he taught his horse to get on from this side, he let his horse go, and the cavalry man, the army man, stole the horse, and he jumped on this side, and the horse bucked him off on the ground. So those horses are crazy. Those Indian horses are crazy, you know. No, they're not crazy. It's the man who's crazy, because you are taught to think on one side. So if you can teach a horse to this side and this side, both same time, then you can get on the horse any side, this side or this side. If you teach a human about love, respect, and prayer and understanding on this side and this side, you can work both ways.
and you will use your entire brain for what it's worth. But today we are all sitting here on one side, you know, all one-sided, too heavy on one side, because somebody told you, you know, that controlling yourself, you know, negative and positive. So these always change together, change both back and forth. In reality, it changes like this. I have to think about that. See, that's my left brain going because it's still riding away. I forgot. Three pages. Alors, un humain, dans sa tête humanée, il est représenté par, enfin, il est comme le petit morceau blanc qui est sur le bateau, au milieu du staff, du bâton. Autour de cet humain se trouve le rouge qui est la voie positive, qu'on peut considérer comme étant bonne, et le noir qui est la voie négative et qu'on peut considérer comme étant mauvaise, encore que ce terme ici enfin, ne doit pas impliquer un jugement de valeur. Hein. Et un jour on se réveille, on peut changer de sens, on n'est pas toujours d'un côté positif de l'autre, et de l'autre négatif, les sens changent, et ce qui fait qu'en fait le sens du rouge ou du noir n'a pas d'importance parce qu'ils s'entremêlent. Une planète appelée Uranus fait la même chose, son mode de fonctionnement va en spirale. Beaucoup de gens ne savent rien sur le positif et le négatif dans notre culture. Le christianisme enseigne que le négatif c'est le péché. Vous enseigne que le négatif c'est le péché. En fait, il ne sait pas. On vous dit c'est un péché de faire quelque chose de pas bien, c'est un péché de faire des choses erronées. Cette notion est fausse puisque chaque personne naît et de toute façon est le positif et le négatif, et il est aberrant d'imaginer qu'on peut aboutir à être exclusivement du positif par exemple. Jésus aussi était à la fois négatif et positif, les prophètes également, tout le monde est à la fois positif et négatif. L'homme qui est en prison aussi bien que le pape est un jour positif et l'autre jour négatif. Dans le monde spirituel, par contre, il n'y a pas de cette notion de négatif ou de positif. Seul sur cette terre, ces deux choses existent. Il lui apparaît curieux qu'on puisse laisser un prêtre ou un lama ou un religieux de quelque religion que ce soit prier pour soi-même. Il dit non, il faut apprendre à prier soi-même. Des gens peuvent être très occupés et estimer ne pas avoir à prier et donc donner ce boulot à faire à des délégués. Les humains doivent apprendre à prier. Et il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'endroit spécial pour prier. Vous pouvez être au WC, vous pouvez être à Pigalle en train de regarder les sex shops, etc. Et à n'importe quel endroit, vous pouvez avoir une vision spirituelle, sous la douche également. Pour beaucoup de gens dans votre culture, il faut être dans une église, donc une construction. Vous n'avez aucune idée des vibrations et des feelings, des pensées qui ont imprégné l'église lorsqu'elle a été construite. Lorsqu'on fait une sweat lodge, on doit prier pendant la construction. Ainsi, la sweat lodge est une place qui est bonne pour prier parce qu'elle est emplie de pensées positives. C'est la même chose pour les maisons, je le signale au passage, les maisons indiennes, elles sont toujours construites avec des pensées positives et sans qu'on se fasse la gueule, qu'on s'engueule, etc. La maison dans laquelle vous êtes en ce moment, vous ne pouvez pas savoir dans quel état d'esprit était celui qui l'a construite. Il pouvait avoir envie de taper sur son aide, être de mauvais poil, être fou de rage, râler après le mec qui lui filait du fric, etc. Et pour toutes ces raisons, et des tas d'autres, il peut donc avoir mis des pensées négatives dans la construction de la maison, qui ont donc imprégné la maison elle-même. Lorsque vous construisez donc une maison, une habitation, un endroit à vivre, quel qu'il soit, ou à rester, il faut que vous priez, que vous vous débrouillez pour avoir des pensées positives et des bonnes vibrations. Le prêtre vous dira que le négatif est le péché. Qu'est-ce qu'un péché ? Il vous dira aussi, votre âme est pleine de péchés, et l'émir dit, qu'est-ce que c'est que votre âme ? Le prêtre dit aussi que vous avez une âme noire, et je vais donc me débrouiller, c'est le prêtre qui parle, pour la nettoyer, et vous le croyez, mais il ne faut pas le croire, parce que vous êtes seul maître à la limite de votre positif et de votre négatif. Pour un être humain normal, nul autre ne peut le guider,
Nul autre ne peut l'amener vers le Créateur. Même le Medicine Man, même le Dalai Lama ne peut vous montrer Saint-Pierre. Entre parenthèses, Saint-Pierre, c'est une fantaisie et du délire. Hein. Le monde spirituel ne tient pas compte du nombre de dents que vous avez en bouche et de bijoux que vous trimballez sur vous. Le Medicine Man pense que vous êtes quelqu'un de sacré, quel que soit aussi le nombre de dents que vous avez en bouche et des bijoux que vous pouvez trimballer. Vous devez prier pour être en connexion avec le Créateur et vous devez le faire par vous-même. Et ainsi, une fois que vous saurez faire cela, vous saurez rire avec joie, vous saurez rire sur vous-même, avec bonheur. Vous saurez rire lorsque vous faites une erreur, une connerie, quelque chose, vous saurez rire. Il dit, soyez heureux, car dans cette vie, tout va vite, la vie est très très courte. Vous vous en rendrez mieux compte quand vous serez vieux. Il y a des gens qui se retrouvent au bout de 37 ans et qui disent « Ah, ça fait si longtemps que je t'ai vu, comme le temps a passé. » Et à ce moment-là, on se rend compte à quel point la vie allait vite. Chez les médecins, bon, dans notre culture, quand ils sont jeunes, ils savent toujours tout, ils manipulent les choses, sous des pilules, etc. Quand ils commencent à avoir 45 ans ou 50, ils se disent, ils commencent à paniquer, à flipper, ils en savent moins. Et ils commencent à se dire aussi, ah finalement je ne sais pas s'il y a un dieu, et puis je m'approche de ma fin, je ne sais pas trop si je vais aller au paradis, en enfer, au purgatoire ou que sais-je encore. Et ils disent, rien de tout cela n'est vrai, le paradis, l'enfer, le purgatoire, ils disent c'est des histoires sorties de la Bible. Je crois qu'il a dit, mais là j'ai pas eu le temps de noter, que mais Jésus lui-même n'a pas dit, n'a pas dit. Moi j'ai entendu qu'il a dit aussi, les médecins, c'est pas d'exemple. Et combien ça va me coûter pour aller là-haut? Oui, exact, oui. Jésus avait enseigné à propos du positif et du négatif. Oui, c'est ça. Bon, Jésus avait donc enseigné à propos du positif et du négatif. Et il dit, soyez donc vous-même. Et alors là aussi, j'ai plus très bien suivi. Un jour, je vous verrai dans le monde spirituel, dit l'Emdir, et je vous rappellerai que je vous ai déjà parlé de tout cela, donc du positif et du négatif. Il dit, vous êtes endoctriné depuis 2000 ans par l'éducation reçue, et il ne faut pas être comme le cheval, tel que on conçoit le dressage du cheval dans notre culture. Tout se fait d'un côté, et donc le cheval... n'est pas vécu par notre culture et par l'armée US comme une entité complète. Et alors que les Indiens, eux, entraînent le cheval avec le cerveau droit et le cerveau gauche du cheval, l'être humain lui-même ayant aussi un cerveau gauche et un cerveau droit. Et il donne l'anecdote suivante, les Américains se sont rendus compte que les Indiens obtenaient beaucoup plus de choses de leurs chevaux qu'eux-mêmes. Et... un jour, ils ont volé, je crois, de l'US Cavalry a volé des chevaux indiens en disant on va voir qu'est-ce que ces chevaux ont dans le ventre. Et comme ils ont tout fait d'un seul côté, comme ils en avaient l'habitude, les chevaux les ont balancés au sol, quoi. Et ils se sont cassés la gueule. Alors, l'être humain, c'est pareil, il a deux cerveaux, un cerveau droit, un cerveau gauche, et il doit y avoir une connexion générale entre ces deux cerveaux pour qu'il soit un être complet. Alors, apprendre aux humains, amour, respect et tout ce genre de choses, cela doit se faire par les deux côtés, pas d'un seul comme dans votre culture. Il doit y avoir des échanges entre les deux cerveaux et les deux faces de l'être humain. Voilà ce que j'ai. Le mot soul qu'il a prononcé à Bouddha, ça veut dire quoi? Le mot âme. Soul. There are some to the Christian Church. There is you have that's all you have in a Christian church. Negative and positive is the angel and the devil. What is the world before witch doctor? I will tell about it down here. You always forgot something.
The electricity is positive or negative, I suppose. Mm-hmm. Without both, we cannot have. That's right. You can touch one wire and it does not shock you. But you touch both wires and... Mm-hmm. So you need North Pole and South Pole. You need both North and South Pole from the Earth. So this... In the Christian church you have negative and positive. This angel and devil is their explanation, what it is. But there is trickery. They make you believe that this devil, you know, has horns, you know, like this, and has a tail, you know, and has feet like a cow, you know. And his tongue comes out like a snake, you know, like this. And he has red eyes, you know. And he has long ears, like this. And he has no hair. Because it's obvious it burns in the fire. Remember something, Archie? You remember? The stick we found in the place. That is beautiful, yes. Okay. No, it's not that exactly. So there's... And the angel is always the good guy, you know, with this thing around his head, you know, and he's got wings, you know. And he always wears a long dress that far, you know. And he's always the good guy. He always sits right here, you know, and he's happy. Over here is always this little guy, you know, he's all red, you know, and he's the devil. That's the definition of Christianity. Fantasy. Fantasism. I have nothing against Christianity, but they should teach the right thing instead of fantasy, to scare the children, you know. If you don't go to church, you will go to hell. If you don't go to church. If you go to church, then you must take a communion, you know, to go to heaven. Then you must get, have you blessed by the bishop, you know, because the bishop is holier than the priest. You know, and so on. The next comes the archbishop, you know, and then the pope, you know, and this steps going up. Pope is up there, no one can't reach him, you know. But you will be surprised when you get to the spirit world, the pope is no different than you. He will be there too, same place you are. And you can tell him then, you know. You was telling me a lot of stories. No. Now I'm here with you. What happened? You know, and we should take this up to the Creator. You know, what stories you told me, you know, is not true. So the whole definition is to pray, learning how to pray. The Indian doesn't have just one. We don't call him a devil. We call him the negative force. But for the Indian, in here, on page 7 of this book, this little paper, you have 8 supernaturals. We call ours supernaturals. But if you think back to ancient times, if you can think that far back, through the stories, you know, and maybe Linnae can, but that's a long ways back, that you have some little people, you know, you call them little people. You see them in Brittany, you see them over there in Ireland, you see them in Wales, you know, they talk about it. But there's always... Yes, Lutin et compagnie. There's always one, you know.
There's always one little one all the time. You know, they tell you of only one. And he is a supernatural. That's where he belongs, in the world of supernatural. He's not bad. He is here to make you laugh. He's not bad. Okay, no. He makes you laugh. See, I'll tell you how this goes, okay? We are inside the sweat lodge. Okay. We are in the sweat lodge, and now the rocks come inside the hole. First rock, second rock, third rock, fourth rock, fifth rock, sixth rock on top. And each time it comes in the sweat lodge, we put cedar and rock are together. They are green. They are together. And the medicine man is sitting inside. Maybe everybody will be inside. It doesn't matter if they're outside or inside. Okay, let's say all of us. There's 2, 4, 6, 8, 9 of us. There's 9 people inside. Okay, we're sitting inside. The rocks now come inside, and we are blessing the rocks, for the rocks are living. Every rock is a living, microscopic living thing. Everything in this world is living. So these rocks are living when they come inside. And we bless them by putting cedar on each one. After this is done, now the medicine man here puts sweet grass. You will smell this, so you don't have to ask questions. You will smell what sweet grass is. He puts sweet grass on this rock. He puts an honor and the smell. The smell of this sweet grass is very pleasing to the negative and positive force. Everything that is negative, everything that is positive, the sweet grass the sweet grass is that when you burn the sweet grass, all the spirits that are positive come inside the sweat lodge. You don't see these. And all of the things that are negative are now inside. These 8 supernaturals are sitting next to you like this. And if you have the eyes, if you have the teaching, you can see them. It's not a fantasy. And they are funny looking people. Some of them look just like those little people that you have with the long beard. They are funny, they make you laugh. They look like they are drunk. You know, they. Some of them are, you know, all ugly. They are the negative force. If they show them to you, you will get scared. But they are there. You know, they are part of the Creator's creation. The Great Spirit made these also. He made these so you can invite them and pray with them. So here they are. All the negative force is here. Because they like the smell of the sweet grass. It's so nice that they come inside. And they, while they are here, you, this medicine man, is tricking them. They don't know this. So the medicine man brings his pipe inside and he prays and he loads the pipe inside. And these little guys are still sitting inside. All the positive force is inside. Negative force.
everybody is inside. Does the Christian church invite the angel and the devil to pray with him inside the Catholic or Protestant church? No, they will never ask the devil to come inside and pray with me, devil. No, sit beside me and pray with me. While the medicine man and the Indian teaching teaches you to invite negative and positive to pray together. Because the Creator is the Almighty. He is the strongest. Even over the supernaturals and the negatives. While the Christian God is not master over the devil. For he separates these two. And he teaches the people. And the people, the priest teaches the people not to pray for this one. Or, you know, always just have this with you, but never this one. So then you start, your brain starts on one side, you know. The other side of your brain is locked. Nothing can get inside. Because you are taught not to pray for all the bad things and the good things. You don't pray for yourself. Indian teaching doesn't tell you, you pray for yourself. You know, I don't go inside the church, oh God, help me, I need your help. My Renault out there, I don't like it, I want a Citroen, you know. I don't want that, you know. I'm not interested in my Volkswagen anymore, you know. I want a Mercedes, you know. I want a good Mercedes. You're praying for yourself, you know. This is what happens, you know. A man is trying to get as high, you know, as high as they can. You forget how to pray. When an Indian prays, he don't pray for himself. He prays for negative, positive, and he prays for children not yet born, young people, old people, animals, the sun, the fire, the water, the air that you breathe, and the earth. Those eight you need to pray. You don't need anything else. Everything man has made is not holy. Is not holy. It is only holy to the eyes of that person. It is holy. In this life that we live. So if you have this and this keeps you on a good road, you better keep hold on to this, you know? Or whatever it may be, you hold on to it and you become a whole person. Now inside the sweat lodge, the pipe is loaded and the pipe goes outside to this place where this half a burial cradle stands outside. The pipe, the fireman takes the pipe and puts it there. Now, when the pipe goes out, nobody's praying. Everything negative and positive is inside. Positive force and negative force. And you, and your negative and your positive, you're inside. All of you are inside. If you have the eyes to see what goes on, you would be very surprised what goes on. The fight between yourself, the fight between your negative and your positive is going on inside. They fight each other. And while they're fighting, there's negative that's sitting in there is, you know, is happy. The positive is sad, then the positive is happy, negative is sad. So what the medicine man does now is he puts sage on the rocks. This is sage over here. This stuff here is sage. You
just, you know, something that you use. The interesting thing about sage is the smell, especially when you burn it, and the smell. And the medicine man And the medicine man puts it on a hot rock inside. Everything negative goes out this door as fast as they can. You can't see them leave, but they leave in a hurry because they don't like the smell. This thing called sage, the English spelling, pejichuta. In our language, it means the gray herb. It is called herb. The gray is the color of his shirt. That's gray. You know this gray, the pejichuta, the gray herb, the gray plant. In our language, that's what it's called. But in English language, it is this. Sage. Sage, the smell of sage, is not pleasing to the negative force. They don't like the smell. And someplace in the Old Testament, and also in the Quran, and also in the teachings of the Buddha, teaching of Hindu, teaching of Muslim. If you read their teaching, in there it says, a man will come with sage in his hand. Listen to him. It tells that in their Bibles. Because they understood long time ago, 2,000 years ago, that this sage is very important to mankind, to man, to be on an even level, even balance with himself. So when the sage is burned, they all leave, negative forces. Supernaturals are going, and everything inside is positive. So then the door is closed. And everything is, there's a good feeling inside. Because everybody is praying together, they're together, you know, and their feeling is good. There's good feelings. So that's the way it is burned. This cedar, sweet grass, and sage. In order to have everything go good in the sweat lodge. If you cannot do it that way, then it doesn't happen. Now, if you can only burn sage inside, then you wind up hurting yourself. Because you must ask, sweet grass brings negative force, positive force. They all come. They like the smell. Humans like the smell of the sweet grass. And they come when they smell it. It pulls you. Alors bon, il a fait un petit dessin là-haut. Sur ce dessin, un certain nombre de choses qui sont incompréhensibles pour l'instant. Bon, il y a deux sortes de forces, les forces négatives et les forces positives, je vous en ai parlé tout à l'heure.
Dans le christianisme, on a mis sur les forces positives l'étiquette ange et sur les forces négatives l'étiquette démon. Alors les diables, comme vous savez, ça a des cornes, des queues, des pieds de bouc, des yeux rouges, des oreilles longues, pas de cheveux, enfin c'est moche à vomir. Hein. C'est ce que tu dis, hein. T'en es un. Bah écoute, il l'a dit que tu connais. Pas de cheveux, c'est là que tu reconnais. C'est moi, je reconnais, oui. Alors les anges, par contre, ils sont chouettes, ils sont beaux, ils sont choux, ils ont des auréoles. Ça s'appelle auréole, oui. Des ailes, des vêtements longs, ils sont chouettes comme tout, quoi. Alors, il dit qu'il n'a rien contre le christianisme, mais pour lui, tout ça, c'est de la fantaisie, ça n'a aucune réalité. C'est fait pour faire peur aux petits-enfants. Dans le christianisme, on vous amène... C'est la suite, tu vois. C'est la suite, is possible for you to... Show us... If you can find sweet grass in... All the grasses... Is down... Et sketch, yes. Mm-hmm. C'est trop tard, ouais. Ils sont bons, ça pousse pas chez nous, ça, si. Si. Oui, mais on attend qu'il nous manque, mais il ne peut pas nous manquer parce que tout a été coupé. C'est qui, lui, dans la baie? La glycérine, c'est un genre de graminée sauvage. Non. Graminacée. Ça sent bon, hein. Ça sent bon, je ne peux pas faire. Oui, ça a la couche sif aussi. Oui, je n'avais pas très sauvé pour l'instant. C'est pas dans le bon sens. Il y a la boîte à moi directement. Oui, oui, je connais déjà, mais il a fini son discours en disant que quand ça glycérine arrive, tout le monde cavale. Il dit son discours en disant que quand ça glycérine arrive, tout le monde cavale. Les humains compris pour la sniffer. Bon, c'est ce qu'on est en train de faire. Ouais. Je repasse. Je vais le sentir aussi. Alors bon, dans le christianisme, il y a tout un tas de trucs à faire. On rentre dans l'église, il faut communier, ensuite il faut être béni par l'évêque, et ensuite il y a toute une hiérarchie qui te mène chez un mec inatteignable qui est le pape, par exemple. Hein. Il dit, vous serez surpris, dans le monde spirituel, dans le monde de l'esprit, le pape est là, exactement à la même place que vous, il n'est pas plus haut, il n'est pas mieux positionné. Et le jour où vous le retrouverez, dans le monde de l'esprit, c'est aussi après la mort. Hein, dans le monde de l'esprit, c'est aussi après la mort. Hein. Et lorsque vous le verrez là, vous lui reprocherez de vous avoir dit des conneries. Hein. C'est moi qui dis des conneries, bien sûr, c'est pour simplifier. La grande chose pour l'être humain, c'est apprendre à prier par soi-même. Hein. Alors, nous, les Indiens, nous n'appelons pas cette chose le diable, nous appelons ça la force négative. Alors, page 7, il vous a donc montré qu'il y avait un truc avec les 8 supernaturels. Ce sont des créatures qui remontent au temps ancien. Dans tous les pays en Europe, on les connaît, les farfadets, les lutins, les corrigans, les trolls, enfin bon, tout ce genre de choses. C'est un esprit qui n'est pas mauvais. Il vous fait rigoler si vous le voyez. Il se fout de vous aussi d'ailleurs. Dans la Sweat Lodge, le dessin qu'il avait fait, il y a donc le trou au milieu, on met un certain nombre de pierres, les 6 premières pierres, il y en a donc une, deux, une au milieu, ensuite oui, les 4 points cardinaux, et puis une par-dessus. Par-dessus quoi? Par-dessus la première. Deux au centre. Voilà, deux au centre, c'est ça. La cinquième est à droite. Une, deux, trois, quatre, cinq, oui, à droite, et puis ensuite superposé sur le milieu. Hein. Alors, les pierres rentrent dans la Sweat Lodge. Lorsque les 6 premières sont rentrées, il met du cèdre, du cèdre, hein, c'est une plante qui s'appelle cédar. Il nous a montré ce que c'était, on en a dans le cercle qui est plus bas dans le pré. Il met du cèdre. Pas de la glycérine, hein? Non, pas encore, pour l'instant, on met au cèdre, hein, cédar, dessus. Et à ce moment-là, les pierres forment un tout homogène, elles sont ensemble, d'accord. Les mis together. Hein. Le medicine man est assis à la place qu'il vous a montré, la première en bas à droite. Hein. C'est le portier, quoi. Oui. C'est vrai, c'est juste à côté. Et ce faisant, avec le sceptre, il bénit les pierres. Hein. C'est donc un geste de bénédiction sur les pierres. Et il faut qu'on comprenne que les pierres, c'est pas une chose inerte, morte et vide. C'est quelque chose qui est tout à fait vivant. C'est comme un microcosme qui existe, c'est une chose vivante. Il bénit donc la pierre en mettant le cèdre par-dessus, en le faisant brûler. Après cela, le medicine man met de la glycérine, ce fameux sweet grass, sur la pierre.
Ça sent bon, c'est une odeur agréable pour les humains, et pour les forces positives et pour les forces négatives. Donc c'est un peu une invitation à ce que tout le monde rentre, y compris les forces positives et les forces négatives. Les huit supernaturels sont là, et si vous aviez les yeux pour les voir, vous les verriez. Il dit, c'est pas du délire ce qu'il raconte, ce sont effectivement des entités qui sont présentes. Il dit, ils sont amusants, ils ont l'air bons, c'est-à-dire pétés, quoi. Enfin, ils ont des comportements un peu bizarres, quoi. Certains sont moches, ils considèrent que ce sont des forces négatives, si j'ai bien compris. Hein. Mais moches à notre regard, hein, ouais, ça plan strictement esthétique, voilà, c'est ça. Il dit, n'en ayez pas peur, le Créateur les a fait aussi, hein, donc, et il les a fait pour que vous priez avec et que le monde soit complet. La suite grâce est si bonne qu'il rentre sans hésiter, parce que tout le monde aime l'odeur de la suite grâce. Le médecin man les invite donc à rentrer ce faisant, et lorsque cela est fait, bon, toute la création est dedans, hein, dans la Sweat Lodge. Et il dit, à l'église, on n'invite pas le négatif à entrer, on n'invite que le positif à entrer. Une fois de plus, c'est donc signe qu'il manque des choses et que c'est insuffisant. Il dit, pour eux, les Indiens, le Créateur est tout puissant, il est plus haut que le négatif, alors que dans le christianisme, il semblerait que le Dieu chrétien ne maîtrise pas le négatif, donc ce qu'on appellera le diable, Lucifer, etc. Et le christianisme apprend aux gens à ne pas prier pour le négatif et de ne s'occuper que du positif, ce qui donc pour les Mirs est aberrant et pour les Indiens. Ainsi, toute votre vision du monde est coupée en deux et négative, donc toute une partie, néglige, rejette, voilà, toute une partie de la création. Alors, il faut apprendre à prier, dit-il, pour tout le monde entier, enfin pour toute la création, pas pour soi-même. Il dit, il ne faut pas prier parce que tu veux une Citroën ou une Mercedes alors que tu as une boucle de chevaux, par exemple, hein. Un Indien ne cherche pas à prier pour lui, il prie pour le plus, pour le positif et pour le négatif. Alors notez ça, c'est important, hein, il y a huit entités pour lesquelles il faut prier. Le positif et le négatif, le non-né, en fait les créatures qui ne sont pas encore nées. Hein, les jeunes, les vieux, les animaux, le soleil et le feu, l'eau, l'air, la terre. Je ne sais pas si ça fait huit, mais ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, je fais un peu plus parce qu'il y a les éléments dedans. Hein. Il dit, vous n'avez besoin de rien d'autre pour prier parce que tout est dans cette prière-là, tout ce qui vit, tout ce qui existe sur terre. Vous répétez une liste, hein. Oui. Je sais pas. Une partie seulement. Le positif et le négatif. Oui. Alors, ce qui n'est pas né, ceux qui ne sont pas nés, ceux qui n'est pas né, les jeunes, les vieux, les animaux, oui. Soleil et feu, l'eau, l'air, et bien sûr, ta mère, la terre. Hein. Donc tout est dans cette prière, tu n'as besoin de prier sur rien, pour rien d'autre. Alors là, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, hein, parce que... L'histoire de pipe, voilà. Non, c'est pas ça, c'est l'histoire. Il disait, si ce stylo vous mène sur une bonne route, tenez-le fermement. Hein. Mais là, vraiment, je ne sais pas très bien ce qu'il voulait dire. Que personne n'a... J'ai pas ouais. Là, j'étais un peu absent. Ouais. Bon, on peut au guerre lui demander de revenir dessus, parce que de toute façon, son discours, il revient sur les choses. Hein. Alors, dans la Sweat Lodge, la pipe est amenée et il y a une partie de la cérémonie où la pipe fait le tour de la hutte de la Sweat Lodge et est après reposée sur... bon, vous avez vu, il y a deux bâtonnets sur le mont sacré qui se trouve à droite de l'entrée de la Sweat Lodge. Je ne crois pas qu'elle est fumée à ce moment, elle est juste chargée, la pipe. Elle est chargée. Elle est chargée et elle ressort et elle sera rentrée après. Ah oui, ok. Et elle, il y a donc deux fourches, et c'est l'endroit sur lequel on posera la pipe lorsque la cérémonie sera commencée. Hein. Le symbole de la pipe, c'est quoi une... Bon, ça, il te dira au fil des temps sans doute. Ouais, c'est long. Ouais, c'est pas rien, c'est tout, c'est la totalité. Hein. Ouais. Alors, lorsque la pipe a fait le tour de la Sweat Lodge, tout le positif et tout le négatif sont présents. Et il répète, si vous aviez des yeux pour voir, vous seriez vraiment surpris. Les deux forces s'entremêlent, il l'a déjà dit tout à l'heure, il l'a expliqué. Le médecin man met de la sauge sur les pierres. Et là, il explique que ce qui est important dans la sauge, c'est l'odeur. Parce que et surtout l'odeur de la sauge brûlée, hein, qui se consume. Et l'odeur de la sauge brûlée a une particularité, elle chasse tout ce qui est négatif. Et donc à ce moment-là, dans la mesure où il fait brûler de la sauge, les éléments négatifs s'en vont parce qu'ils n'aiment pas l'odeur. Après avoir donc été invités à être présents, donc, il y a un moment, il faut qu'ils s'en aillent. La sauge se dit « Peggy ». Je ne sais pas, hein, vous l'avez entendu comme moi, et ça signifie en Lakota l'herbe grise.
Il dit dans l'Ancien Testament, aussi bien que dans le Coran, dans le Coran, que dans les enseignements de Bouddha et les enseignements hindouistes, il y a un passage qui dit que quelque chose comme un homme viendra un jour avec de la sauge dans ses mains, écoutez-le, recevez-le. Hein. Les anciens savaient depuis, de toutes les cultures, hein, savaient depuis longtemps, enfin les anciens, toutes les cultures, c'est une, hein, c'est pas de toutes les cultures, c'est une souche globale. Hein. Ils savaient depuis longtemps que la sauge est très importante pour l'homme et qu'à la limite elle est sur le même niveau d'évolution que l'homme. Lorsque la porte de la Sweat Lodge est fermée, à ce moment-là, tout le négatif est parti et l'impression que l'on ressent est bonne, on peut prier. On est heureux, je veux dire, on se sent bien à l'intérieur de la Sweat Lodge. Et il dit bien que dans l'ordre, on brûle d'abord le cèdre, ensuite la sweet grass et ensuite la sauge. Et tout ceci est fait afin que tout soit bien unifié dans la Sweat Lodge. Voilà, je vais arrêter. Est-ce qu'on peut poser une question, par exemple, de faire brûler maintenant de la sauge ici, mm-hmm. Est-ce que ça agit également sur les esprits, par exemple le... C'est hein? Ou... T'es pas encore parti, c'est toi. Attends, je vais partir. Non, mais je veux dire, est-ce que c'est pas limité à les conditions spéciales de la cérémonie? Non, il dit même si tu rentres dans une maison. Nous, l'année dernière, la maison était plus moins habitée, si tu veux, que maintenant. Il a fait ça, il a dit à Michel d'aller dans toutes les pièces, toutes sans exception, avec cela, purifier pour chasser ce qu'il n'avait pas trop chassé. Et sachez-le pour vous aussi, si vous en faites dans une maison que vous allez habiter, faites-le 4 jours de suite. Hein? Cela, vous brûlez de la sauge, allez dans une pièce après l'autre avec des pensées et des bonnes vibrations si possible. Et donc ne rien chasser avec elle ou des loups. Et puis donc le faire 4 jours de suite. Hein? Et ainsi, la maison sera assainie et les entités qui n'ont rien à y faire, s'il y en a parfois, elles sont parties. Et, si vous avez un jardin, planté de la sauge. C'est vrai, il y a un vieux truc français qui dit que la sauge dans son jardin, je ne sais plus les mots précis, pas besoin de médecin. C'est la panacée, oui, absolument, c'est quasiment une panacée. Pas besoin de médecin. Oui, le jardin, ça fait sur le médecin au fur et à mesure. The first one you smell was the one here in Europe, the sage you smelled first. The second one is what grows wild in the United States. It's the same sage from the same family, but this is from America and it grows wild. It's quite different. Smell is quite different. C'est quoi? C'est quoi? C'est de la sauge. Et c'est quoi? Tu trouves pas? Deux espèces de sauge. Oui. Que je voulais poser comme question, dans la pipe, c'est du tabac ou c'est de la sauge? Non, c'est magnifique, mais il t'en parle. Ah, d'accord. C'est non, c'était juste à titre détail. Je me suis demandé si ça avait. Parce que je trouve ça pas confond. Non, c'est du saule rouge, hein, qu'il appelle une technique. Saule ça là? Non, ça c'est la sauge. On met dans la pipe. Ah oui, d'accord. On appelle tabac. Ce que tu peux faire demain en allant bouffer au cigogneau, tu lui demandes de t'en montrer. Il y en a planté uniquement devant les cigogneaux. On est plus arrivé à identifier parce que les deux trucs. Ils tout couper. Écoute, non, moi j'écris K-N-I-C-K. C'est Knick. Enfin, tu sais, je crois que c'est le propre phonétique. En fait, ça se dit Red Willow, le son de rouge. By the smell of it inside, you know, it's. L'odeur se répand. It takes away different kinds. The sage takes away different things, but most people do not know. As an herb, as a plant, a healing herb, it takes away from the smell. If you take sage. You take a very hot rock and you set it on the floor and you put lots of sage and you take a blanket and you cover yourself and you sit in there and burn the sage. If you have a very bad cold, the sage in 10-15 minutes takes it away. The sage, when it's dry, it does this. Any sage, the European sage, American sage, sage from all over the world. It's a, you might say, almost like a miracle drug, miracle herb, plant, you know.
It takes away many things, and you can use it in this way. You can use it for a toothache, you can chew it and put it on a toothache, and it's gone. You know, actually, in the ancient people in France used to say that if you had sage in your garden, you don't need to call it. That's right, you don't need it. The sage is to use the sage, you must understand it. You must understand what it means. You know, a woman on her moon, that's her defense, is the sage. She uses the sage, she can use the sage at this time. On her moon, she can use it. She purifies herself with it. You know, every day with this sage. The sage, if you boil it in water, and most people like to drink, you know, a social tea, you know, like a tea. You know, you're used to drinking tea nowadays, you know, and you sit back and you relax and drink sage tea, but you don't understand what you're doing. If your mind is on the property of this sage, all herbs and plants are holy and they are living. They are a living thing. They are not dead. Most, you know, people, you go to school to be a biologist, you know. Oh, I'm now a biologist, I know every herb. But you go pick a herb and you try it, it doesn't work. Because your mind is here. You have a piece of paper that says you're a biologist. That's all it says. You went to school to learn about an herb. You did not go to school how to pray. It doesn't mean you become a priest. It just means you learn to connect yourself to this plant. You say you take negative plant. You take positive sage, okay? Sage is growing here. Sage is here, and sage is growing like so here. And there's maybe two of them growing here. Two sages growing up. And we ask you to go pick some sage. You don't go and you just take it and come back, you know. You don't do this. You have to go there and learn how to pray. You take tobacco and offer as a thanksgiving. I need you. I need your help. You don't have to stand there and, you know, have a mass, you know, like the priest to have a mass in front of a sage. You go there and pray by yourself and the Creator. And you say, I need of you. You know that this is living. Each sage, each plant is inside. Inside is a tube inside of every plant. It grows inside. One is negative, the other is positive. One draws water, the other one draws the air. Air and water coming back. It makes this sage grow. It makes plants grow. But sometimes from the air becomes negative. Sometimes the water becomes positive. But still the plant grows. It can be the air negative, the water positive. Or the water negative, the air positive. Every day is a new day. Every day. You don't pray today like you prayed yesterday. Tomorrow you pray different also. Tomorrow you get up, it's a different day. The world has changed. Maybe you didn't know that. It's dark outside. You know. Tomorrow you get up, the sun come up. No, the sun will come up every day. But for you, it's a new day. And therefore, in the air that you breathe,
the tiny particles of air all across the world is negative, positive, like this. The water underneath, the planet, the sea, the ocean, the water, the rivers, the creeks, negative, positive, it has air also. Water has air inside. It has to have air for the fish to live. If there's no air in the water, the fish will all die. So now you have this negative, positive. You come to the sage and you pray. And while you're praying, you don't feel good. You are feeling the sage. You are drawing the energy, the vibration, that it is giving negative vibration. So you go over here to the next sage and you pray. Well, it feels good. So you cut it and you take it. And now you got a positive. You take this positive sage, and this is what it does to cure. You learn how to pray. You learn how to pick. Even mint, you don't go over there and cut off all the mint. Oh, I like this one, and this one, you know. You pray and feel it. You don't have to pray to all of them. You just pray to the first one to see it's all right. Positive vibration, then you can take whatever you want. The positive. Then you get, it's the healing. The healing of this herb, this plant, this sage. Then you can use the aroma as you burn it. You know, you can smell it. The positive, you know, you get from it. It takes away the pain, the headache, you know, and you can make a tea out of it, and then you drink very strong sage tea, really strong, with no honey. Everybody don't, it don't taste good, you know. Everything that is good for your body doesn't taste good. You got to make it sweet. You put honey inside, you know, and sugar, you know, and molasses and whatever, you know. Then you drink it. It tastes good, you know. But you put strong sage and you make it, you drink it, you know, because it's good for you. You don't like it, you know. And then it goes in and you're cured. Hey, it's okay. The sage has taken away the headache. You know, it cleans the inside, the stomach. It cleans the inside of the stomach and goes out and cleanses. It's always cleansing. So you must know what to do with this. La sauge, ça chasse différentes choses. Ça chasse déjà la maladie. Alors, il dit, si tu as un très gros refroidissement, t'es mal foutu et tout, vraiment le gros refroidissement, hein. Tu prends de la sauge, tu prends une pierre chaude, hyper chaude, et tu mets sur le sol la pierre chaude, la sauge dessus. Chaude, c'est chaud, hein, ça se consume. Tu te mets au-dessus et tu te couvres le tout d'une couverture, toi inclus, et tu restes là 15 minutes. Il dit, en 15 minutes, ton refroidissement est chassé. Il dit, la sauge, c'est quasiment une plante miraculeuse, et c'est là que René est intervenu en donnant l'adage français. Hein. Mm-hmm. Il dit, par exemple, pour si vous avez mal aux dents, mettre de la sauge sur une dent malade ou sur l'endroit où vous avez mal aux dents peut être très efficace. Pour utiliser une plante, il faut la comprendre. Il donne un autre exemple. Une femme qui a ses règles utilise la sauge pour se purifier tous les jours. Alors, une plante, c'est pas un machin que on boit comme ça à l'heure du thé parce que ça fait bien. Hein. Ils disent ce genre de façon de prendre les plantes, ça prouve qu'on ne la comprend pas. Il dit les plantes sont des choses sacrées, elles sont vivantes, ce ne sont pas des trucs morts et sans âme et sans. Il n'a pas dit âme, hein, c'est moi qui dis sans substance. Hein. Il dit, vous allez à l'école, vous apprenez la biologie, et en sortant de là, vous vous dites, moi je connais les plantes, je sais guérir avec les plantes et tout ça. Et il dit, non, c'est faux, parce que ce que vous savez, c'est sur du papier.
Mais en fait, ton esprit, au cours de toutes tes études, n'a absolument pas appris à comprendre ce qu'est une plante. Il dit que la vraie façon d'aller à l'école pour soigner, c'est d'apprendre à se connecter aux plantes, à se connecter aux plantes par la prière et la connexion. Hein. Il dit, par exemple, vous avez un endroit de deux branches de saule qui poussent au même, enfin l'une à côté de l'autre. Il dit, bon, on vous envoie, parce qu'on sait que la sauge c'est bon, va cueillir de la sauge. Il dit, il ne s'agit pas d'aller là, de voir les deux branches de saule et de les choper l'une ensemble et puis d'aller apporter ton fourbi chez la personne qui pour faire sa tisane. Hein. Il faut que tu ailles à l'endroit où se trouve la première sauge, tu te mets en contact avec elle, tu essaies de la sentir, tu pries, tu fais une offrande. Tu la remercies s'il y a lieu, tu lui dis que tu as besoin de ton aide, tu lui demandes aussi pardon de la ressortir. Il dit t'as pas besoin de messe pour faire cela. Tu dois prier le créateur et la plante que tu veux avoir, et c'est seulement à partir de là que la sauge te donnera sa substance et te permettra effectivement de guérir. Il dit dans toute plante il y a deux, bon j'ai mis tuyaux, hein, donc apparemment deux tubes, deux tubulures, je sais pas. Un de ces tuyaux est positif, l'autre est négatif. Un amène l'eau du sol et l'autre amène l'air. Et il dit c'est cela qui permet à la plante de pousser. Il dit certains jours l'air et le tuyau correspondant à l'air et le tuyau positif et le tuyau correspondant à l'eau et le tuyau négatif, et d'autres jours c'est le contraire. Il dit chaque jour est un autre jour, tu ne prieras pas aujourd'hui comme tu... Non, ça paraît biblique ce que je suis en train de dire. Tu ne pas prier aujourd'hui comme hier ou demain parce que le jour a changé. Le monde change d'un jour à l'autre, toi aussi tu changes d'un jour à l'autre, et c'est pas parce que le soleil se lève tous les jours que ça signifie que tout est statique. Dans l'air que tu respires, il y a du plus et du moins. Et il dit, l'eau contient de l'air, ce qui prouve aussi que l'eau est composée elle aussi de plus et de moins, puisque s'il n'y avait pas d'air dans l'eau, les poissons claqueraient. Donc il reprend son discours, tu viens à la sauge et tu pries. Si tu ne sens pas une bonne vibration, tu sais que ce jour, à ce moment-là, la sauge n'est pas d'accord. Bon, elle ne correspond pas à ce que tu cherches. Tu sens une vibration négative, tu vas à la plante suivante et tu recommences le processus jusqu'à ce que, donc prière, offrande, etc. Jusqu'à ce que tu sentes effectivement, toi, une vibration positive qui fait que tu comprends que c'est celle-là que tu peux prendre et que c'est celle-là qui guérira. À ce moment-là, tu prends la sauge en question. Ce sera la bonne plante pour guérir et ça n'en est pas une autre, n'importe laquelle. Pour la menthe et toutes les plantes, c'est pareil. Tu dois sentir que c'est bon et tu prends. Bon, si tu veux en prendre pas mal, tu n'as pas besoin de... Tu as un endroit où il y en a une, tu sens qu'elle est bonne, tu fais une seule prière pour tout, tu n'es pas obligé de faire une prière pour chaque plante que tu vas prendre. Hein. Il dit, si vous avez des maux de tête, la sauge c'est épatant, sauf qu'il faut la boire pure, même si c'est amer et horrible à avaler. Il ne faut pas mettre du miel, du sucre pour l'édulcorer. Il dit également que la sauge nettoie l'estomac. Et il dit, il faut vraiment, si on veut se servir des plantes, il faut apprendre à savoir faire comment. Il faut apprendre à comment faire avec les plantes. Hein. Voilà. There are, among our people, there are people who work with negative force. But it is necessary that they work with negative force. They understand the supernaturals, the eight supernaturals. It takes many years of understanding to understand the supernatural force. You just don't, accept the supernatural force and think that you can master. You have not even mastered yourself. Sometimes it takes 75 years, 80 years, by the time you become master of yourself. Then you can master the negative force. It is very hard. It's not easy to be. So we have a medicine man. I don't like the word medicine man. It doesn't fit. There is no medicine man in reality. Medicine man came in 1937-38.
And it came from the motion pictures. 19? Yes. When the motion pictures began, they used the word medicine man in the movies. Before that, among the Indian, there is no medicine man. There is no. We don't even have a word for medicine. We don't have a word for medicine, so therefore there can't be a medicine man. To the idea of a medicine man, to the Indian, is a person who is a man who sells magic tonic or water. You know, you see him in a movie, he comes in a wagon, you know, in the Western shows. And he has on his wagon, medicine show, you know. And he's called a medicine man. He's just a regular man selling. He's a salesman, you know. And he sells all this regular snake oil and different things, and he sells it to people. People buy it. They think it's good for the toothache, you know, and just things like this. Those were the word medicine man. You know, to the Indian, if you look at... on page 8 of this book, at the bottom you will see, down below you will see 7. But I feel that, personally, I feel that 1, 2, 3, 4, 5, 6, there are 6 spiritual people. I feel that all these people fit into a holy man. They fit into the holy man, not a medicine man. We don't like to use word medicine man. It's, people keep calling us medicine man. I'm not a medicine man. No. I'm the first to admit I'm not a medicine man, because there is no such animal. And I'm not a medicine man, I'm not a new animal, you know. But they keep calling me a medicine man. I don't like this, you know. And even my own people will say, oh, he's a medicine man. He's, you know. And the real medicine man will laugh. There is no such thing as a medicine man, you know. And neither is he false, negative, or real. It makes no sense. It's like the word squaw. There is no such thing as squaw. There is man and woman, that is it. An Indian woman, a white woman, an Oriental woman, a black woman, you know, it's always a woman. In the Indian definition of the woman is the word we That is the definition of the Indian woman. Wiya. This means the moon, not the sun. This is we, and there is Hawi. Hawi is the night moon, the night sun. It comes both in the same. We and Hawi. So therefore we take we, and instead of H-A-N on this, H-A-N makes Hami, makes the moon. We take this we, everything female is W-I. We, we-ya, and yang, we-yang. Her road to the spirit world. Yang means the road to the spirit world. That's the old Lakota language. Wiyang. So in reality, what it says, a woman on her road to the spirit world. That's what it means. It has a holy meaning. It's a spiritual meaning. When you have such as woman, a woman, from, Frau, you know, and all this.
You have different, there's no connotation to being holy. In the Indian language, viya is a holy word. It's a spiritual word. Therefore, she connects herself to the moon on her road to the spirit world. Viya. So, we have these medicine men. If you look at Winkte, it also has the same in there. Oui. Oui is honor. And then on the end it has Winkte. Okay, let me explain to you what this word means. Winkte is, in reality, it's a transvestite. A man likes to wear woman's clothes. Woman likes to wear man's clothes. Okay, transvestite. But you take this off, and that is the woman. And kte. Kte means killing the female. That's, in reality, in the words, that's what it means. It is a man masquerading as a winkte. He's killing his female part. The female part. Yeah, okay. Therefore, he becomes a transvestite, a winkte. It's not a homosexual. There's quite a difference between the two. Winkte. Winkte can be, anybody can fit into the role of the winkte. Anytime you do something feminine, that's the ways of the winkte. Now you look at the spirits, the supernatural. If you look at that, there is one called Ksa, K-S-A. In the eighth, the negative force, Ksa, means exactly this up here, Winkte. It is also a supernatural. Ksa is Winkte, is a supernatural. But what it means, Ksa means, in spiritual language of this, Winkte, and up here it says K-S-A, okay, that's a negative force. It means, it means a man or a woman without the sexual part, nothing. There's no sex to this person. Nothing at all. He's neither a female or neither a man. There's nothing. No, il n'a pas d'organes génitaux. Rien du tout. Nothing. Just nothing. Ça. Ça n'est pas un androgyne. Even to this day, a medicine man will say to a one person, Onze nixelo. Onze nixelo. It means you have no rear end. You know, you have no rear end. You know, you have nothing. That's what it means, you know. So a medicine man would use that against a person. It means you're not worth nothing, you know. That's what it means, you know. So then we have this word ksa. Kselo. Nikselo, it means you're nothing. You have no female organs, you have no male organs, you have nothing. You're just nothing. So it fits into this winkte. The we, the W-I is always falling in winkte. That's where this falls in, is ksa.
a negative force. Actually, is it the same also we in vichasha? Vichasha. Is it the same we or? Where do you see that one? Vichasha. Winkte vichasha. Winkte vichasha. Yeah, winkte vichasha. Okay, is we, this we, is it also the same? We. Chasha. Okay, we, for the man, chasha means, chasha means taken. We chasha means taken the protective feel of the two counterparts of female and man, taking the protective role. I'm taking the protective because my sister is weaker than I am, and I am stronger. I am chasha.